Qu'est-ce qu'on a tout le monde en position? On a un problème de connexion, est-ce que on pourrait avoir... Ok, Vincent arrive. Malheureusement, on va quand même devoir commencer. C'est bon, pas de problème. Donc voilà, on va commencer ces quarts de finale. Donc on a Nabil, Davide, Jean-Louis, Tarek, Rob, Jeffrey, Cyril et Maxime. Et on commence maintenant. Il est 12h31 à ma montre, jusqu'à 13h31. C'est parti. Let's go. Gentlemen, let's go. You can start trading. Ok, donc j'ai marqué le classement à l'entrée. Si tout le monde n'a pas vu, je vais faire un petit rappel encore une fois. On a eu tout à l'heure Nabil en première position, ensuite Davide, dans l'ordre, Jean-Louis, Tarek, Rob 5e position, Jeffrey 6e, Cyril 7e et Maxime 8e. Donc, ce qu'ils ont accumulé dans la séance précédente n'est pas comptabilisé dans celle-ci. On repart à zéro, même si certains ont un capital qui est plus important que d'autres, forcément. On repart à zéro et donc ils seront classés avec le PNL de cette séance. Donc là, c'est parti. Donc on a eu malheureusement donc Stefano, André, Pascal, Eric, Marc-Antoine et Mohamed qui ont été disqualifiés. Ah parfait, merci. Donc on vous donne un autre micro. Voilà. Et puis les deux derniers qui ne sont pas venus, qui ont été donc disqualifiés par absence. Voilà, installez-vous. Nous avons commencé donc à 12h31, le quart de finale de cette compétition de trading. Ok, donc tout à l'heure j'avais commencé à vous parler du nouveau règlement et des limites dans les volumes de trading, j'avais pas eu l'occasion de finir de vous expliquer. Donc j'avais commencé à dire qu'il y avait deux nouvelles limitations pour avoir plus pour que ce soit plus équitable entre tous les participants. Évidemment, donc il y a certains traders qui ont des brokers qui sont plus avantageux, qui permettent plus de levier. Donc pour être sûr que tout le monde ait à peu près le même levier, on a fixé une limite. La première limite et en fonction des marges de la bourse, donc pas la marge du broker, la marge de la bourse en question. Exemple, le DAX. Donc le DAX, on a une marge nécessaire, donc pour avoir un DAX de 19 657,50 €. Donc avec 50 000 €, c'est le calcul, combien on peut avoir de lots. Donc là, ça fait 2, et on rajoute plus 1 pour la flexibilité. Donc, c'est-à-dire que le DAX, maximum en position, 3 lots. Si un participant prend plus de 3 lots, donc c'est disqualifié. L'avertissement, il doit sortir immédiatement de sa position et s'il recommence, disqualification. La deuxième limitation, c'est sur le nominal. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs positions d'instruments différents en parallèle. Donc, par exemple, un DAX et un CAC 40, par exemple. Donc pour gérer ça, on a instauré donc une limite sur le nominal. La somme des nominaux de toutes les positions qui sont courantes à tout instant doit être inférieure à 1 million. Voilà, donc les deux limitations. Et pour l'instant, j'ai pas mémoire d'avoir vu un seul trader avoir des positions en parallèle. Donc c'est plutôt une position à la fois. On commence calmement. Est-ce qu'on a une position là-bas? Ok, une première position pour Davide. Comme tout à l'heure, ça commence sur les chapeaux de roue. Un achat, peut-être le DAX. Je vais vous mettre l'écran de Davide pour voir en même temps ce qui se passe. Voilà. Donc apparemment c'est le DAX. Bien acheté.
en position, on peut voir sur le carnet d'ordre en temps réel. On va voir ce que ça donne. De ce côté-là, pour l'instant, rien. Exactement comme dans la première manche. Ah, une position pour Tarek aussi. Un achat du Dax également. Donc c'est exactement comme Davidé, en parallèle, mais deux stratégies différentes qui utilisent la même position. Ici, donc sur cet écran, nous avons... 9, 9, 8, 7, 6. Nous avons l'écran de Nabil. Ok, donc il a deux écrans, il a un carnet d'ordre exactement comme Tarek, un écran avec plusieurs carnets d'ordre. Et puis là, c'est ses graphes. Comme vous voyez, pas de position pour Nabil pour l'instant. Toujours deux positions en cours. Une fermeture. Okay. Une fermeture pour Davidé. Bénéfice, perte. Ok, bénéfice. Bon, il a fini. Une position, ça suffisait. It was enough. PNL de plus 112,50. On commence très fort. Comment ça se passe de ce côté-là? Ça a l'air un peu calme. J'avais entendu dire qu'il fallait commencer vite parce qu'il y avait un mouvement. Si l'un d'entre vous veut prendre la parole pour parler un petit peu, comme quand on a un temps mort, pour expliquer ce qui se passe, s'il y a un événement ou quelque chose. Rob, is there any release of news today that could move the market? Well, I think it's options expiration. I mean, the real news mover was the FOMC yesterday. So, FOMC yesterday. Ok, donc pas trop de mouvements prévus aujourd'hui à part l'expiration des options, nous dit Rob. Donc là, on a l'écran de Rob maintenant. I'm just saying that you have to screen your screen. If you want to talk, then. Du mouvement, deuxième position pour Tarek. Sur un autre... Sur lequel? Lequel? Ok, donc il a augmenté sa position. Ok, je vous rappelle, trois lots maximum pour le DAX sont permis. On est à deux lots, donc c'est bon. Je vois du mouvement là-bas à ma droite. Alors... Cyril. Non. Ah non, je suis bête, j'ai la télécommande. Ça marche toujours pas. Julien, j'ai toujours un problème avec le switch de droite. J'arrive pas à changer les écrans manuellement. Bon, pendant ce temps-là, Nabil est aussi entré dans le marché. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il y a l'échéance du DAX dans 25 minutes. Ça, c'est embêtant parce que le DAX, c'est une échéance très particulière. C'est une tannée, quoi. Il y a pas mal de mouvements au niveau de Tarek et Nabil. Tarek a vendu apparemment une partie de sa position. Nabil est entré.
Ok, alors. Donc Nabil a shorté et a racheté par la suite. Et d'abord, je vois deux shorts là au début. De vente à 5. Ah d'accord, il y a une erreur. Quel instrument? Le Stox. Ok. Le Stox, on avait limite à 20 lots. C'est bon. Donc on a apparemment une plus-value. C'est pas fini, il y a une partie de la position qui n'est pas débouclée, donc on va attendre un petit peu. Du côté de Tarek aussi, toujours en cours, position à moitié débouclée. Là-bas, oui, marquez les PNL bien sur les tableaux, comme ça sera plus facile. Si en plus le public peut le voir, marquez bien gros. Comme ça, on fera des meilleurs classements que tout à l'heure. Maintenant, c'est plus facile, ils sont que 8. On arrive à mieux gérer parce que 14, c'est commencé à être beaucoup en parallèle. Donc là, toujours David est probablement en tête, vu que les positions ne sont pas toutes bouclées. David est sorti. Plus 50 de PNL pour Nabil, 50 euros. Ça lui fait une deuxième position. Tarek est sorti également de sa position. Ici, on a donc, on est sorti. Plus 10 euros. Plus 10 euros pour Cyril. Tu veux parler? Ok, donc pour le nominal, par exemple, si tu veux prendre deux lots de DAX, tu fais deux fois le nominal, moins tu soustrais ça à 1 million, et ce qui reste, ça va te déterminer combien tu peux avoir d'un autre instrument, en fonction de son nominal. Et là, il y a la formule pour calculer. Ça va? C'est un peu compliqué, mais donc c'est comme je disais, c'est ce qui permet d'avoir plus d'égalité entre chaque trader. Plus 375 euros déjà pour Tarek. 365 euros pour Tarek. 75, sorry. Et Davide donc tombe en deuxième position. Second position Davide. Avec 112,50. Suivi de Nabil à 50. Et c'était 10, ça. 10 euros pour Cyril. Pour l'instant, les autres sont toujours hors position. On a encore à peu près 3/4 d'heure. On a du temps devant nous pour voir peut-être la situation se retourner encore une fois, tout à l'heure. Comment se présentent les marchés là actuellement? C'est calme? Comment ça se passe? C'est assez calme pour le moment? Ça bouge pas trop? Ça bouge un petit peu quand même, il y a une accélération à la baisse sur l'Eurostock 50, on est revenu du côté 3155 par rapport au plus bas qu'il y avait ce matin sur le premier round, ça correspond à entre 1,5 et 2% de baisse supplémentaire. Là le mouvement venait juste de se terminer, pour l'instant au niveau il n'y a pas de carte affichée. On voit que les acheteurs ils se représentent un petit peu au niveau du carnet d'ordre, on a récupéré 10 points, quasiment 10 points de hausse. Mais là pour le moment c'est vrai que c'est les indices, c'est les seuls marchés sur lesquels il peut éventuellement y avoir des interventions. Le Bund, l'euro-dollar, les matières premières, tout ça c'est assez calme pour le moment. Donc moi personnellement je vais attendre que les indices repartent à la baisse pour essayer soit de trouver un short court terme en suite tendance très court terme,
soit de payer au niveau du carnet d'ordre quand je verrai les acheteurs se remanifester au niveau du bid. On fait le calcul parce que Cyril voulait prendre un stock en plus de son lot de DAX. Et donc il fallait faire le calcul pour voir si on dépasse pas la limite du nominal. Donc s'il prend un DAX, il a grosso modo 25 000 sur 1 million qui sont bloqués sur son DAX. 250 000, pardon, ce qui fait qu'il reste 750 000 à assigner aux stocks. Combien il peut avoir de stocks avec cette limite-là ? Donc le stock qui est à 3200, qu'on multiplie par 10 pour avoir le nominal, ça fait 32 000. Combien on peut avoir de fois 32 000 dans 750 000 c'est, ça fait à peu près de tête, il me semble, à peu près 20. C'est bien ça ?